Le 15 décembre dernier, l'USA Réunion accueillait l'AS Nancy-Lorraine pour leur dernier match de l'année à domicile. Les hommes de Stéphane Léoni, après une victoire arrachée en toute fin de rencontre à l'extérieur face à Épernay, ne demandent qu'à bonifier un cycle aller déjà superbe puisqu'à ce stade, les Bleus restent invaincus. Leur objectif du jour, finir l'année 2018 en beauté et offrir une victoire à leurs fidèles supporters. Le ballon apporté par le Père Noël fut sans doute de bon augure puisque dès la 7e minute, Sherman perce la défense adverse et remporte son duel face au portier. Lucu a scié encore plus son emprise sur le match et à la 21e, Jay fait le break d'un tir du pied gauche. Quelques minutes plus tard, le même Jay manquera de très peu le doublé. À une minute de la pause, Fares Bramia marque le troisième but pour l'USU d'une superbe frappe enroulée qui lobe le portier adverse. À l'USA Réunion avec la sortie du numéro 11, Amine Groun. Et l'entrée du numéro 13, Uzel Gendez. À la 69e, Maurice est à deux doigts de marquer le quatrième but sarunionnais. Changement à l'USA Réunion avec la sortie numéro 10 et buteur Fares Bramia. Et l'entrée numéro 14, Bastien.
Adrien Vassilaki. Changement à l'US Saint-Réunion avec la sortie de notre capitaine, le numéro 8, Martial Ruth. À la 73e minute, Nancy obtiendra une belle opportunité, mais Kayat manquera sa frappe. Le match s'achève sur une superbe victoire de l'USU, 3-0. Les Bleus finissent l'année en beauté à la première place du classement de National 3. Un superbe cadeau de Noël pour les fidèles supporters du club, parmi lesquels Marcel Decker, alias MPP, qui fêtait ce jour-là ses 80 ans. La victoire, elle fait du bien, surtout contre un centre de formation. La SNL, moi j'ai pas beaucoup gagné contre eux en étant jeune, donc tant mieux. 3 buts en plus, 3-0. Donc on a été solide en première mi-temps. Et puis on a tenu la deuxième, c'est tout ce qu'il fallait, quoi. Et voilà, bravo aux gars, bravo à toute l'équipe et merci aux supporters, parce que c'était pas mal, ils étaient nombreux là. Et dédicace à mes potes qui sont venus me voir, ça fait plaisir toujours. Ouais Paul, meilleur buteur de sa réunion, ça qu'on mon carcar. C'était une question de... d'envie, de mental, et ça s'est remarqué directement au milieu de terrain. On a mis un bon pressing, on les a cherchés haut, on a essayé de ne pas les laisser jouer et de faire notre jeu. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir la mainmise sur le match et d'être très dominateur. Donc c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Et comme la semaine dernière, c'est notre mental qui nous fait gagner le match. Là, aujourd'hui, ils étaient vraiment brillants. C'est ça le football. Trois beaux buts venus d'ailleurs. Physiquement bien. Léonie, c'est un grand entraîneur qui nous a ramené énormément. Énormément. Champion d'automne, meilleure attaque, meilleure défense. Invaincu au cycle aller. Alors, dans l'histoire du club, c'est très simple. Il faut revenir à 1995, première division de district, pour avoir vécu ça. Voilà. Donc, entre 95 et aujourd'hui, ça fait 23 ans. Voilà, c'est magnifique, surtout dans la situation dans laquelle se trouve le club. Nous sommes à 8, je l'ai dit l'autre jour, au niveau comité de direction, à essayer de réparer tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été détruit. Et eux, ils sont brillants. Voilà, c'est chapeau par rapport à tous les efforts qu'on leur a demandé de faire. C'est extraordinaire. Un autre club est par terre, il se casse la figure. Et ça nous motive encore beaucoup plus, de façon à tous ensemble redresser la barre, parce que si on joue comme ça et si on est devant, on peut très bien le rester. Et là, il faudra assurer, parce que c'est vrai que ce serait magnifique pour l'US Saint-Réunion de remonter en N2. Bon, on n'en est pas là, mais je m'emporte un peu. C'est la trêve maintenant, on peut prendre quelques jours de vacances. On attaquera fin janvier avec le match retour à Nancy. Et puis après, on verra d'ici là... Joyeux Noël à tous, bonne fête de fin d'année. C'est ça le football, c'est extraordinaire. Alors moi je souhaite que l'USU continue dans cette voie-là. Et je dois dire que j'ai apporté le ballon pour le coup d'envoi et ça a apporté chance à sa réunion. Maintenant il faut qu'ils continuent avec la force qu'ils ont. Et ce qu'ils ont montré ce soir, ben, c'était vraiment formidable. Donc bon vent à l'équipe de Saint-Réunion pour 2019. Oh, oh, oh. Et joyeux Noël à tous. Oh, 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 oh.